Yo les S3 Family, comme prévu, voici le S3 Freestyler du jour du tuto précédent. Si toi aussi tu veux passer dans une de nos vidéos, pense à poster la tienne avec le hashtag S3School. Bang! Yo, c'est la team S3. Et aujourd'hui, c'est la S3 School. Comme chaque semaine, venez apprendre des gestes de foule. Et aujourd'hui, on va apprendre le Pixie Slap. Oh S3 School. Yo la S3 Family, aujourd'hui on va apprendre le Pixie Slap. C'est quoi le Pixie Slap? En fait c'est un slap où tu vas rajouter un tour du monde derrière. Bon, on a déjà fait un tuto du slap, on a déjà fait un tuto du tour du monde. Peut-être que tu mélanges et ça fait le Pixie Slap hein. Bon allez, on va voir ça tout de suite. Et on passe à l'étape 1. Étape 1. Ok, donc pour l'étape 1, c'est très simple, on fait le slap comme on sait le faire. Et une fois qu'on jette la balle, on essaye de caler son pied en dessous, un peu comme un coup du foulard. C'est parti pour l'étape 2. Étape 2. Ouais. L'étape 2, tu dois passer ton pied au-dessus du ballon, tourner autour du ballon en fonction de la hauteur de la balle. Hein? C'est trop facile. Étape 3. Étape 3. Hein? Ensuite, quand tu as fait le tour du monde, tu la réceptionnes dans ce slap. Hop, comme ceci. Regarde. Tac, slap. On refait. Tac, slap. On passe aux astuces. On passe aux astuces. Hey. Oh yeah. Première astuce, pour que votre tour du monde passe bien, essayez de rester à hauteur du genou, comme ceci. Astuce numéro 2, si vous voulez répéter le geste plusieurs fois à la suite, pensez à être un peu sur la pointe du pied, comme Annie va nous montrer tout de suite. Yeah. Vous avez vu sa jambe d'appui, sa jambe gauche, elle est sur la pointe du pied. Comme ça là. On passe au Cypher Time. Cypher Time. Wesh, mais... vous êtes où là? Annie, il est trop chaud les gars. On vous remercie d'avoir regardé ce tuto. N'oubliez pas le hashtag S3School. N'oubliez pas surtout de liker, commenter, partager. Et surtout, abonne-toi. Plus on rentre bien.